Hey, salut tout le monde, et ben on se retrouve aujourd'hui pour du Lego Star Wars, la saga complète. Et puis ben je vous laisse regarder la fin de la vidéo, enfin de la cinématique. Et voilà, on commence avec Qui-Gon et Obi-Wan. Je vous préviens d'avance, ça fait là plusieurs fois que je fais le début, l'intro du jeu, parce que alors à chaque fois il avait pas de son, soit on m'entendait pas, enfin bref, voilà. Donc on va commencer par la menace fantôme. C'est loin d'être le meilleur, loin d'être mon préféré, celui-là je pense beaucoup le monde. Heureusement que la Dark Maul est à la fin, parce que sinon ce serait un peu la tristesse. Alors, j'ai fait le jeu un petit peu à l'arrache, mais il faut savoir que bon, je l'ai déjà fait forcément il y a quelques années. Donc ne soyez pas choqués si je run un petit peu. Ça sera peut-être moins désagréable pour tout le monde, parce qu'il y a quand même 6 épisodes à faire. Donc je voulais en profiter parce que bah, ça va être la première vidéo où je parle. Sachant que les premières vidéos, bon, c'était des let's play très particuliers, parce que bon, The Walking Dead, Life is Strange, tout ça, c'est très compliqué à parler avec, par-dessus, on va dire. Mais bon, c'était des jeux que j'avais envie de faire. Donc voilà, après, forcément, bah, vous dites, mais ça vous plaît pas, si même si je dois fermer ma gueule, hein, tout simplement. Hein. De toute façon, vous appréciez pas ma voix comme moi. J'apprécie pas principalement ma voix, donc ça m'arrangeait aussi de faire des let's play comme The Walking Dead et Life is Strange. Mais bon, là je voulais commencer par un truc assez simple comme Lego Star Wars. Les jeux Lego de façon de base sont très faciles. Donc c'était assez simple de pouvoir discuter en même temps avec vous et puis bah, pouvoir jouer en même temps sans trop faire de la merde. Ah ben bah, voilà, c'est quand on commence à dire que je fais pas trop de la merde que ça foire. Je sais pas ce que je viens de faire, c'était cool. Et voilà, le premier chapitre fini. Donc ouais, hein, c'est un vieux jeu hein, qui a au moins un minimum 11 ans, parce que c'était 2007-2006. Sachant que c'était des jeux qui étaient d'abord sortis sur GameCube et PS2. Donc je vous laisse deviner quand ça date. 2000. Je crois que le premier est sorti peut-être en 2005, parce que il a un peu du passage du 3, mais il fallait pas que ça spoile trop. Donc ouais, peut-être début 2005, enfin 2004, enfin bref, voilà, c'est plutôt cool. Bon, je vous récupère. Et puis donc bah voilà, je voulais aussi parler un peu de la chaîne qui est bah, un retour. Parce qu'au début on commençait à faire des vidéos alors de très 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 mauvaise qualité. Parce qu'on filmait avec un téléphone, donc c'était un peu la tristesse à ce moment-là. Mais qui était basé sur des bugs.
Donc bon, ça a très mal vieilli, c'était déjà pas beau à l'époque, mais aujourd'hui c'est encore pire. Donc voilà. Ensuite on est passé sur plus des vidéos basées sur le speedrun. Donc il y avait un mon collègue qui était plus donc Yann qui était sur du Zelda et moi qui était vaguement sur du Resident Evil. Bon, voilà. Donc là on se dit, je me sens aussi qu'on faisait un peu de let's play, mais bon, c'était des vieux jeux, ça plaisait pas à tout le monde. Donc là j'avoue que le let's play que je fais c'est pas du très récent non plus. Mais bon, ça reste toujours d'actualité. Star Wars en tout cas. Donc là on a décidé de mettre un coup de jeune à la chaîne et puis la relancer à fond. Donc, on essaie de faire des let's play de jeux totalement divers. Comme des let's play narratifs. Enfin, je sais même pas comment ça se dit. Ouais, je crois que c'est des let's play narratifs. Des jeux d'aventure, des jeux d'horreur, des jeux indés, des jeux pour enfants, des jeux pour adultes. Bref, on va essayer de la diversifier un maximum. Excusez-moi, j'essaie de réfléchir en même temps de jouer. Ce qui est pas simple, des fois. Donc, bah voilà, après, ça va être ceux qui regardent les vidéos, ceux qui pourront dire aussi si ça leur plaît ou pas, les formes qu'on fait, si le temps qu'on fait de vidéo, donc entre 15 et 20 minutes, parce que je trouve qu'en 15-20 minutes, ça reste correct. En tout cas, en vidéo, c'est ni trop long, ni trop court. Ça permet de montrer un peu de jeu sans que la personne s'endort en regardant la vidéo. Donc, voilà. Je sais pas après comment vous apprécierez les vidéos que je vous... Donc voilà, en fait là, les let's play, on va dire Star Wars, ça va être beaucoup de vidéos qui vont me permettre de savoir, de un peu discuter par rapport à la chaîne, par rapport à discuter si je veux parler des commentaires et tout. Bon, ce qui est bien avec un jeu Lego, c'est qu'on ne meurt pas vraiment. Ou bien allez, si on meurt, on ressuscite 3 cm plus loin, donc ça va. Donc aussi, je voulais aussi parler un peu des jeux qui vont être adaptés par moi ou par tout simplement Yann. Pour ma part, c'est des jeux 360 Xbox One, première Xbox, PC entre autres aussi. Yann va plus être adapté sur tout ce qui est jeux Nintendo et un peu PC, Wii. GameCube, Nintendo 64 aussi, donc ça va être beaucoup plus sur le rétro que moi, forcément. Il y aura aussi donc peut-être du speedrun encore, ça c'est encore français à voir. On va essayer de plein de styles de vidéos totalement différentes avec d'autres youtubeurs aussi qu'on connaît. Donc bon, c'est des amis aussi de longue date, donc c'est beaucoup plus facile pour faire des vidéos. Donc voilà, j'essaie de meubler un peu parce que je ne sais pas trop quoi dire. C'est un peu des phases test entre guillemets de la chaîne. Je suis désolé, je viens de couper en plus le passage, l'intro. Je suis désolé, c'est... T'es un petit peu instinctif. Mais bon, si vous regardez normalement l'épisode, vous savez tous au moins vivre les films. Donc au passage, il n'y aura pas pour l'instant Star Wars The Clone Wars.
Enfin, en tout cas, parce que je les ai pas et que je les ai pas trouvés en vente. Et que je sais pas si c'est en rétro-compatible sur la One. La... Pas encore aussi Lego. J'ai pas encore Lego Star Wars Le Réveil de la Force. Bon, déjà parce que je vais vous avouer que c'est pas du tout, mes épisodes préférés. Donc ça va être encore à voir. Enfin, même si Lego Star Wars épisode 2 n'est pas mon préféré, mais au moins les au moins l'épisode 4 et 5 dedans. C'est génial, c'est la fête. Je suis Amidala, je mets des claques aux droïdes et ils meurent tous au même niveau qu'un Jedi quand il met un coup de sabre laser. C'est la fête. Bon, la deuxième faille. Donc ouais, je vais faire aussi des vidéos forcément où... avec nous en cam et en train de bouffer des bonbons dirty... Alors, j'ai mal prononcé donc les bonbons Harry Potter, donc peut-être à chaque fois que je meurs, enfin ouais, c'est vraiment plein de choses totalement diversifiées, enfin, beaucoup diversifiées, des tests d'appareils aussi un petit peu électronique, tout ça. Donc j'aimerais pour ceux qui nous regardent vraiment de dire ce qui ne va pas, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Ce serait vraiment très sympa parce que pour ça on va faire des choses qui nous plaît nous, mais aussi ce qui vous plaît vous. Ça peut être bien aussi. Donc oui aussi ça va être beaucoup de jeux aussi qu'on forcément qu'on connaît, mais là si c'est des raisons de pas trop vous faire poireauter en fait devant une énigme parce qu'on la trouve pas, je trouve ça un peu chiant, un peu relou, donc voilà. Pour moi en tout cas c'est comme ça que je vois. Après si vous avez envie de voir vraiment des jeux que je découvre tous les mois, entre autres, là, grâce au Game Pass qui est sur Xbox One, ce qui me permet de faire beaucoup, enfin de découvrir beaucoup de jeux tous les mois, des jeux que j'aurais peut-être jamais acheté, tout ça. Donc, ouais, je sais peut-être ce que vous dites, c'est que je parle beaucoup, et je parle sur beaucoup de. Comment ça s'appelle ? De. Sujets, en tout cas. Et donc bah voilà, bah, de toute façon on va se quitter tout de suite après cette fin de cinématique. Roger, roger. Ah bah donc voilà. Et ben ce premier épisode, enfin ces trois premiers chapitres du premier épisode de Star Wars est fini. J'espère qu'il vous a plu. Surtout n'oubliez pas de lâcher un petit commentaire. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Surtout quand on débute une nouvelle chaîne, enfin qu'on redémarre. On va partir dans le principe que c'est une nouvelle chaîne et que ce qui s'est passé avant n'existe quasiment plus. En espérant que ça vous plaît toujours. Je pense que je n'aurais jamais autant dit dans cette vidéo de lâcher des commentaires et savoir si ça vous plaît. Bref, et ben voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis à la prochaine vidéo. Salut!